Salut les CE2, on attaque la première séquence du fichier de maths. C'est des révisions CE1, c'est vraiment pas compliqué. Alors, je te rappelle rapidement comment on représente la numération avec Picbille. On compte des jetons bleus. Le jeton bleu, c'est l'unité. Si on dit 15, ça veut dire 15 jetons bleus. Et on va ranger ces jetons dans une boîte avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 emplacements. Un jeton, 2 jetons, 3 jetons, 4 jetons, 5 jetons. On peut fermer la moitié de la boîte avec un couvercle. Si le couvercle est placé, ça sous-entend que sous le couvercle, on a 5 jetons. On ne les voit pas, mais ils sont là. 6, 7, 8, 9, 10 jetons. On place la deuxième partie du couvercle et on a une boîte complète. Dans la boîte complète, il y a 10 jetons. Chaque fois qu'on te présentera une boîte complète fermée, on sait qu'il y a 10 jetons à l'intérieur. Ici, 1, 2, 3, 4 jetons, 4 comme Picbille, 4 comme Mathilde. Ici, le couvercle est fermé. Si on a fermé le couvercle, c'est qu'il y a 5 jetons à l'intérieur. Tu te rappelles, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Ce nombre-là, c'est 5. Et on le représentera comme ça avec Mathilde. 1, 2, 3, 4, 5. Voici maintenant le nombre 7. 5 jetons cachés et 2 découverts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va te demander de représenter de la même manière le nombre 9, le nombre 3 et le nombre 8. On fait le 9 ensemble et on corrige le 3 et le 8 après la pause. On va dessiner les jetons dans la boîte. 9 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut fermer cette partie de la boîte qui contient 5 jetons. Voici le nombre 9 par Picbille et Mathilde le représentera ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu vois, Mathilde, elle les range par 2. Ici, il y en a un qui est tout seul, on a affaire à un nombre impair. Les nombres impairs, c'est ceux qu'on ne peut pas ranger par 2. Par exemple, 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Allez, je te laisse faire le 3 et le 8, on se retrouve tout de suite après la pause. Trois jetons comme Picbille, 1, 2, 3. Trois jetons comme Mathilde, 1, 2, 3. Et tu vois qu'il y a un jeton qui se retrouve tout seul. 3, c'est un nombre impair. 8 jetons comme Picbille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut fermer la moitié de la boîte. Voici 8 jetons comme Picbille et on va faire 8 jetons comme Perrine, que j'appelle Mathilde depuis tout à l'heure, mais en fait, il s'appelle Perrine. Perrine qui range ses jetons par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a pu ranger tous les jetons par 2. On a affaire à un nombre pair comme 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Les nombres qu'on peut ranger par 2, les nombres pairs. Thank you.